comment ça, tu suis une petite dizaine de potes. Alors attends, ça fait très bizarre dit comme ça. Soit t'es médecin. Voilà. Bon, les gars, soit t'es médecin. Je vais vous donner l'opinion de part. Il y a un problème là dans ce que tu dis, le cul, par contre. Il nous manque une information sur ton métier. Ou sur... Il nous manque une info sur ce que tu fais dans la vie, le cul, là. Il manque une info cruciale, là. Il y a un truc qui manque, là. Oui, bon, c'est ce qu'on disait, Loaco. Personne dit contraire. Le fait est qu'on a plus de chances d'être... On aurait plus moelleux que musclé. Dans les stats françaises, en tout cas. J'étais prof de PS, je suis prépa physique, non. Je t'ai bien écouté le casse-couille sur le truc physique. Donc, tu vois que tu étais... Donc, si, il y a bien un rapport. T'es le mec qui va faire du sport, qui va bouffer du sport... Et donc, il en fallait un. Hein. C'est pas tout si, hein, mais il en faut toujours un. Toujours. C'est comme ça. Et donc, il va être biaisé. Encore une fois, on va encore avoir une conversation biaisée. Parce que tu vas forcément avoir une vie qui tourne autour du sport. Et donc, ta conversation va forcément être biaisée. C'est comme d'hab. Il y a toujours un élément qui va biaiser ça. C'est terrible. Vivre selon un code ou un credo, non ? Sauf qu'une fois le dos au mur, la plupart suivent leur instinct. Bref, moi j'arrête là sur l'histoire des gros ou des maigres, je me reprends sur le jeu. Credo, s'il n'impose pas à tous les mêmes agissements. Peut-être qu'il te donne le sentiment d'appartenir à quelque chose. T'en penses quoi? Je crois qu'il y a un mouton en chaque homme. Et qu'un vieux loup comme moi mérite chaque once de sang qu'il prélève. La vraie question c'est qu'est-ce que je prendrais comme glace après. Fais route vers cet endroit. N'emmène que des hommes de confiance. Ça m'a fait vachement envie. En arrière là, attendez. Semblait pourtant. Dans les dernières. Oui, moi j'arrête avec la conversation tourne au débile, ça m'a cassé les couilles. C'était très bon. Cordon bleu, je sais plus quoi. Ça faisait vachement le taf. Avec les rails couverts, je les ai défoncés. Je suis content, j'ai enfin un peu de légumes quoi. Là, dès que je vais être payé, je vais me faire tellement plaisir sur les légumes. Je vais aller m'acheter plein de carottes surgelées Picard. Ça, les gros paquets de carottes. Ça, c'est trop bon avec le poulet. Et je me reprendrai les haricots verts casse-grains. Il n'y a vraiment que ceux-là que j'adore. Vous voyez, les autres, je peux les bouffer. Par exemple, vous me donnez des haricots verts congelés, je peux les manger. Mais je vais pas aimer. Je vais me forcer à les bouffer. Tandis que là, les casse-grains, je les mange vraiment avec plaisir. Je sais pas ce qu'il y a dedans, ça se trouve il y a de la merde dedans qui est super, je sais pas. QL, pourquoi lui comment. Il y a 40, 36 comme ça de mémoire. Bah c'est ça dont je parle, Flotte, c'est la haricot vert en boîte, c'est les casse-grains. Enfin il y a d'autres marques hein, mais c'est de la boîte de conserve. Je surkiffe. C'est exactement ça. Riz haricot vert, ça se fait ça. Il manque pas de la viande. Surgelé, toi c'est trop con. Je suis d'accord. Un autocuiseur, c'est un des trucs qu'il faut que je me prenne, ouais. C'est vrai que ça peut être pratique. Surtout quand je live. L'autocuiseur, quand je live, ça peut être trop cool. Je mets tout, je continue live, boum, c'est prêt, j'ai rien à surveiller. C'est un peu plus long à cuire parfois, mais ça cuit bien et ça peut être cool. Et merci beaucoup à Daralex pour le raid. À Daralex, info de chat. C'était fini quand t'avais 32 cubes à Daralex. La phase de plateforme qui a 30 secondes, ça compte pas. Ouais, c'est pour ça. Bah, c'est pour ça que je peux plutôt recover. Parce qu'autant que les féculents du riz, plutôt. Je crois que c'est le riz, c'est les féculents, non. Après, si c'est du riz au blé complet, ça se passe comment. J'en sais rien. Je connais que dalle. Attendez. La quête est là-bas. Bourré l'additif, le conservateur sans doute. Franchement, il y a moyen. Bah, checker, hein. Haricot vert ultra. C'est haricot vert extra fin, casse-grain. Après, c'est peut-être bon, en haricot vert, mais ouais, t'es pas un peu en manque de prot avec ça. Pour un bon repas, tu vois. Les haricots verts, par contre, je peux pas les mettre dans l'autocuiseur, si. Bien, c'est top, mais faut surtout pas bien la surface du bol car après ça accroche. Les anticules me semblent pas que ça soit mandatorié. Ah non, mais. Alors, Atrix m'a pas du tout dit ça. Atrix, mon pauvre, m'a dit une fois que t'as les 32 cubes, ce n'est pas fini. Le complet, tu peux, mais pas le blanc, peu importe, ça passe. Le riz au blé complet, nope, le riz. Et, le... et si tu as le riz, et le riz complet. Alors, riz complet. C'est quoi la différence entre le riz et le riz complet? Bref, et si, les. Alors, les anticules ne sont pas obligatoires, mais par contre, faut savoir que tu peux les utiliser à l'Arlex. Pas du tout. Non mais il y a un gros quiproquo là, Alex. Je reprends, je vais mot pour mot ce qui a été dit. J'ai demandé, j'avais les 32 cubes.
J'ai demandé en chat, logiquement, est-ce que c'est fini? Pour moi, c'était fini quand j'avais 32 cubes. Atrix me dit, Adar Alex m'a dit, non, il y a encore des choses à faire après. Alors, voilà. Oh, d'accord. Eh ben écoute, je testerai. Alors, il y avait un truc à faire après qui m'a pris 30 secondes. Hein, une phase de plateforme qui était rigolote, hein, où tout est un peu en mode. Tout est ralenti, quoi. Donc, je sais, il y a eu un gros quiproquo. Et résultat, Atrix a bel et bien fait une info de chat. En gros, le riz blanc, tu as que le cœur et le complet est plus brut. Et c'est quoi le meilleur? Pain blanc et pain complet. Yes, ok, je vois. Bah, pour le coup, les deux me vont. J'aime bien les deux. Au final, avant je préférais que le plein blanc et maintenant j'aime bien les deux, ça, le goût change. Faut aller jusqu'à la sortie, oui mais ça prend 30 secondes quoi. Yes, alors après tu vois, Mofolot, moi l'intérêt de ce que je vois, bon, j'ai vu un autocuiseur qui coûtait, je crois que j'en avais un qui coûtait 100 balles. Effectivement tu peux tout faire toi-même, mais tu vois moi par exemple en live, je mets tout dans le truc, j'appuie sur le bouton. Je reviens dans 20 minutes après, j'ai pas à me relever pour, tu vois là par exemple la recover et tout, faut bien les tourner, faut faire gaffe, enfin, je suis obligé d'être, pareil tu vois ce midi je me souviens de poulet basquez, faut être au taquet à surveiller quoi. Non, moi je dis qu'Atrix a fait un faux chat. Voilà. Il faut bien qu'elle en fasse une. Allez, c'est parti pour la suite. Et donc, fin de Black Flag ce soir. Pour l'inscription planning, si vous êtes curieux, j'ai mis à jour le planning du live. Beaucoup de nouvelles choses. Tout est décalé en bien. Tout est décalé en bien. Allons-nous prendre ton vaisseau pour le trajet à venir ou le mien? J'aimerais en savoir plus avant de décider. Ah, oh, c'est une opération. Et donc juste du riz à la recover, ça vous fait un repas cette complet vous? Cette fontaine d'informations vient de me révéler qu'un certain Galion contient le trésor que je convoite. Dans son intérêt, j'espère qu'il dit vrai. Est-ce que ton plan est sûr? Il l'est. Ce bon capitaine va nous fournir un pavillon portugais qui nous permettra d'approcher de notre cible. Une idée d'une grande simplicité. Si tu appliques mes ordres à la lettre. Il manque quelque chose, on est d'accord? Vous mettez quoi avec un riz à recover vous? Le jackdaw, alors. Donc vous mettez trois trucs alors, du riz, des recover et une viande. Parce que moi je mets que deux trucs à chaque fois, j'en rentre dans mes plats. Genre poulet patate ou poulet courgette. Quoique dans ça qu'un poulet basquez, il y a des légumes, du riz et du poulet. Flotte, je me suis dit. Transporte un précieux trésor, des fioles en cristal remplies de sang. Cela doit. Pourquoi vous mélangez là en ce cas? On cherche des fioles de sang. C'est tout. J'ai deux secondes, je me fais spammer là. Qu'est-ce qu'il me dit le monsieur? Ah! C'est rigolo les couleurs. Je m'attendais pas à ça en couleur par contre, je t'avoue, Ada. C'est spécial les couleurs. C'est bien fait. C'est bien fait. Mais j'avoue que c'est pas banal les couleurs. Ah, j'aime pas le poisson pour le coup. Je peux pas mais vous faire de poisson. Suivre mes pas instructions ça. À la lettre, capitaine. Je ne t'ai pas offert le loisir de les mettre en doute. Je veux ces fioles de sang intactes. Et si je ne les ai pas? Nous nous quitterons en ennemis. Tu as compris? C'est moi ou une menace là, Jean-Michel? C'était caché au poulet. Poulet. Dans doute, poulet. Moi, poulet avec poulet, je trouve que ça va bien ensemble. J'ai du mal à cerner d'où tu viens, Robert. Tu es né dans l'Ouest? Tu as vu juste. Un petit bourg du nom de Kasniewidba. Jamais entendu parler. Oui, comme beaucoup de gens. Il faudrait accrocher une pancarte à sa limite. Alors, je t'avoue que je ne mange pas de viande rouge du tout, Lacoste. Jamais. J'aime pas ça. Ça n'a rien à voir avec des convictions ou autres, hein. Je m'en bats les couilles, j'aime juste pas ça. Moi, je viens de Swansea. Oh, une véritable capitale en comparaison. Et merci à. Attends, voilà l'objet de nos désirs, capitaine. Tu vois ce Will navire, Sim pour le follow. Cette ruse nécessite son pavillon. Si je peux m'emparer de leur pavillon sans me faire remarquer, je le ferai. Ah, j'aime pas les brocolis non plus. Les seuls légumes que je mange vraiment, c'est quoi? À toi de jouer, bah, haricots verts, carottes, courgettes maintenant, poivrons. Et que Dieu abençoe le rêve en jouant. Que Dieu le garde et protège, Seigneur. On se rencontre cette nuit tant formose. Non, oh, je déteste les champignons. À part les truffes. Évidemment. Les truffes, j'aime bien pour le coup. Genre de la purée aux truffes. Des pâtes aux truffes, genre le truc. Estamos apenas à espera que o nosso navio almirante seja reabastecido antes de zarpar. Ah, e julgo que um dos nossos navios mercantes da cidadão, nossa frota necessita de um novo mar. J'y peux rien, c'est vraiment bon. C'est du portugais, ça está. Estamos em terra neste momento em busca de uma árvore que sirva tal propósito. Du bon portugais, là. Monsieur à la gueule fine. J'y peux rien. Compõe a maior parte da nossa frota, senhor.
Ça m'arrange pas, vous savez, hein, ça coûte cher. Non mais ça va, la truffe c'est pas si cher. Ouais, t'en as même chez Picard la truffe, arrêtez. Restez tranquille. Daí as nossas precauções. Com tantos piratas nestas águas, esta frota necessita de bastante proteção. Não é uma tarefa leve guardar quase 3 dúzias de navios. Comment je suis censé passer inaperçu là, par contre? Mas não estou a reconhecer o seu navio. Nem sequer transporta a bandeira do rei. À quel moment je peux passer inaperçu là? Faut que je les massacre tous pour ça. Excelente trabalho, senhor! Muito bem! Assim faremos, senhor! Obrigado, senhor! Je déteste ça. Qu'est-ce que je déteste ça? Attends, mais j'étais pas repéré depuis tout à l'heure? Ah, ici? Ah, ça me rend fou dans le jeu parfois. Ah, merci, Yurza. Cool. J'ai quand même pas fait le truc pas détecté là, c'est pas possible. Un plaisir de parler avec vous, jovem. Entregue os meus cumprimentos ao seu capitão. Rejoignez la barre. Ele de momento está a dormir. Vai lamentar não ter tido a oportunidade para falar com. Até à próxima. C'est bien, j'arrive pas à mettre sous l'eau. Attends, j'ai vraiment fait le truc sans être... Non, c'est pas possible, ils m'ont détecté à 3000% là. Je refuse d'y croire. Le jeu le plus permissif de l'univers. Ça serait dingue, ceci dit. Tu as le pavillon? Aïe, nous l'arborons déjà. Il fera bien l'affaire. On verra. Attends, allez, fais-le voir. Je sais pas, on verra. Faisons voile. Je vais rester à distance, lent et discret. Aïe. Lentille, haricots, ouais, mais pas les haricots, pas les haricots, viens comme moi. Quel type de haricots il occupe? Haricots blancs, haricots rouges. N'avez pas chivel. Qu'est-ce qu'il a, pleurnichet? Quinoa, c'est trop bon pour vous. Ça sent autre chose, mais quinoa, j'adore. Quinoa boulebourg, c'est trop bon. Il y avait Nat qui en cuisinait, c'était délicieux, putain. Avec un peu de poulet d'ailleurs. Dans les haricots verts, t'as les protéines, sans déconner. Là, tu vas prendre un truc là. Ça, je ne savais pas. Comparé à. Genre entre 100 grammes de haricots verts et 100 grammes de poulet, c'est quoi la diff? Droit devant, il décharge quelque chose de ce navire. Est-ce notre prise? Ça va être par contre, ça va pas être le même. Trop légumes ici. Je devrais peut-être aller à terre, capitaine Kenway. Trouve le coffre. Et s'il contient ce que je cherche, rapporte-le-moi. Dis-leur que nous avons la peste à bord. Dis-leur qu'ils trouveront tous la mort s'ils osent approcher. Faut apprendre le portugais, attends, pas si inaperçu. J'aurais cru que c'était le chinois, mais bon, écoute, faut croire que les portugais ont plus dominé le monde plus que prévu. Podemos falar com o capitão do navio? Olá, olá, é o próprio. Peço perdão pela minha resposta abrupta, mas sei ter mais notícias para transmitir. É possível que estejamos infectados pela peste. O quê? A peste? Por Deus! Como foi isto acontecer? Imagino que terá sido mercadoria infectada. Então, há um trou lá-bas? Encontraremos uma forma de organizar uma quarentena para evitar. Olá! Senhor, nós transmitimos a mensagem. A peste? O capitão daquele brigo diz que estão afetados pela peste. O que vamos fazer? Rafael!
Despertam uns quantos homens e remem até aqui ao brigo. Eles dizem que foram atacados pela peste, mas eu quero vê-los mais de perto. J'essaie de la jouer discret. Hein. Rapide qui tient au corps, putain. On imagine. Un peu de différence, ça prend pas vraiment la même chose. Ça marche. En tout cas, ils sont bons. Portugais vivant en Suisse ou d'origine portugaise, Asta? C'est rigolo, je crois que Izzy aussi, il me semble. Et Izzy, il est, vu son nom, il est soit espagnol, soit portugais. Je dirais plutôt d'origine espagnole, en tout cas. Ah! Ah, quoique. Merde. Mais non. Mais non. Putain, merci. La balance sur sa bombe. Ça passe si je me mets là. C'est bon. Vivant ici depuis petit. D'accord, donc. Genre en gros c'est tes parents qui sont installés en Suisse, c'est ça? Mais la famille est portugaise? Oh, le boudin noir, ça j'ai jamais compris ça. Ça fait partie des nombreux plats qui me dépassent, ça. Je peux pas, ça. Bon, allez, fuck it. Hein. Ras le bol. Ça marche. C'est pratique, ça, en vrai. Attends, donc tu viens en Suisse. Résultat, tu dois parler quand même pas mal de langues. Bon, bah, portugais, sûr. Français, visiblement. En Suisse, il y a moyen que t'aies dû apprendre bien l'anglais. Déjà français et portugais, c'est quand même pas mal. Ah, oh, j'aime pas le boudin quoi qu'il arrive. Marie, une française en plus, vive les mélanges. C'est ça qui est bon. Les différences nous renforcent. Suivez le navire. Alors, je vais pas le suivre à la nage le bordel. Attendez, quand il dit suivez le navire, faut que j'en prenne le jackdaw, c'est ça? Ah, mais le jackdaw arrive, d'accord. Je me disais, tiens. Hop là, genre, c'est classe ça. Et bonsoir Kalkinos, comment ça va? Le coffre qu'ils ont porté à terre était rempli de fioles vides. Où est notre capitaine portugais? Il ne présentait plus d'utilité. Où est-il? Il dort profondément sur un lit d'algues. Combien d'hommes faudra-t-il encore tuer pour cette prise? Tous ceux qui se mettront sur notre chemin. Il est un peu relou le sage là par contre. Un peu relou, j'aime pas trop le sage hein. Autant il y a même certains ennemis que je trouvais cool, autant le sage il me casse un peu les couilles. Oh putain. Oh là. On réduit la toile. Et merde. Ok, fallait passer à droite. Ouais, le sage il est un peu trop énervé pour moi hein. On est gentil ici, on est calme, on est gentil. Tant qu'on ne casse pas avec Blizzard, moi je suis très gentil, tout va très bien, oui. Et alors il est comment Watch Dogs 1, quelque chose? Il a bien veillé ou pas? T'en penses quoi toi? Est-ce que c'était un jeu que tu conseilles? Je crois qu'il a quoi, 7 ans, 6 ans, 7 ans au moins Watch Dogs 1, 2013 il me semble. D'ailleurs, ma vidéo. Regarde ça, capitaine. Yes, dis-moi tout. Les pauvres diables ont pris le même chemin que nous. On vaut bien mieux que. Ma vidéo, je pense, par les MMORPG Sandbox. Les marins ont prononcé ces mots avant de mourir. Elle est bien interprétée maintenant. Ah, tu parles de la vidéo Blizzard. Maintenant, elle est coupée, oui. Graphiquement, il est encore bon. Je parlais surtout de gameplay, mais après, oui, graphiquement, ça m'étonne pas trop, c'est Ubi. Ils sont pas mauvais pour ce genre de choses. Harris les Huniers. Carguer jusqu'à la grand voile. Faut profiter de ce vent. C'est moi, il est immense le bordel devant, attendez. Oh, Manowar 70. Le trésor doit être à bord de ce galion. Prenons-le, ça nous fera gagner du temps. Ouais, je suis de ton avis.
Je peux rapprocher le Jackdaw, mais ces vigies vont nous poser problème. Tu as raison, Andy. Je vais m'en occuper. Moi, ce que je me rappelle, j'avais un peu joué. Ce qui m'avait saoulé surtout, c'était la conduite. Je l'avais trouvé horrible. Ce que ça fait pas. J'aime bien la conduite dans les jeux. J'aime bien les jeux de voiture de base. Mais c'est vrai que la conduite dedans, je l'avais vraiment trouvé sale, sale pour le coup. Estou cansado desta rotina. E também não estou ansioso pela viagem de volta a Lisboa. Ouvi falar do que aconteceu àqueles piratas britânicos em Natal? Tranquilo. Dom Jorge enviou um dos seus homens para os tirar de lá. E parece que ele... Et merde. Putain. L'échec complet, j'aurais dû rester discret. J'étais impatient. On va devoir massacrer tout. Casse les couilles lui. Ok. Tiens, pour la peine je sabote la cloche. Ça ne sert à rien, mais j'aurais saboté la cloche. Vous entendez bien le jeu ça, parce que j'ai un peu baissé. J'espère que vous entendez quand même bien. Tu l'as fini en combien de temps à peu près, Kael, le jeu? Je suis curieux. Bon, on va essayer d'être plus discret sur la deuxième vigie. Qu'une kill ban dans la tête. Vergonha em dizer que esta é uma bela noite. E têm sido raras este mês. Ça marche, ok. Je sais pas justement comme ça, je me suis aussi posé la question. D'où mes questions avec elle. Je sais pas par quel miracle, là je suis toujours invisible, mais bon, enfin toujours discret. J'ai trouvé un jeu d'OS Game. Eh ben, tu peux le mettre dans les OS. Allez, salut. Ça c'était pas voulu. Enfin, c'était voulu de buter les deux, mais pas comme ça. Ok. Prenez le contrôle du bordel, ok. Ah, il y a une corde et tout, classe. Ah oh merde, j'ai raté l'assassinat aérien. Putain, en fait, tu es censé faire un assassinat aérien là. Rex passe à qui ? J'ai joué au premier, c'est tout.
je l'ai pas fini. Ça m'a pas marqué plus que ça à l'époque. La conduite m'avait vraiment cassé les couilles. Et dans les GTA like, ce que c'est être un GTA like, la conduite resterait importante à mes yeux. Fais-nous voir comment Rugis. Même en arcade, tu vois. What? Mais non! On va contre. Oh là là! Envoyez la grand voile! Mais non! Ok les gars, instant kiff. En plus j'ai la charge. Oh putain. C'est parti pour la charge. Oh là là. Ah oui, je reste appuyé là maintenant. J'ai juste à rester appuyé là, ça marche. Oh mon dieu! Raté! Tout est bien en place! Burn. Capitaine, un coup bien placé! Burn. On attend! Burn. Burn. Ah. Un tir bien ajusté, lui! Burn. La base! Sale ennemi! On a été touché! Ton point faible! Ah putain, j'en peux plus. Ah mais j'ai les boulets derrière aussi. Je pensais que c'était des barils, mais j'ai aussi les putains de boulets derrière, sans déconner. Ah, je prends un peu de dégâts en vrai. Merde. Ouais. Ouais, je peux viser derrière aussi, je viens de voir ça, attention. Oh, oh là là. Vas-y, rapproche-toi. Allez. Oh la vache. J'ai un putain de truc de ouf, mec. C'est trop bien. Bon sang, pour rectifier le tir. Oh la vache! Ils m'ont. Dans... Merde, je me suis. Ah! Oh bordel de cul! Attends, regarde, t'es prêt pour les. J'ai un gros bateau là. Rapprochez-vous. Attention, c'est pas fini, on va finir le dernier. Non. Leur tir au bête. Oh, je l'ai fini au mortier le bordel. Merde, je suis en train de défoncer mon allié. Non, non, je suis désolé. Ils font feu, sale ennemi. Ta merde. Oh putain, j'ai pas vu. Je vais perdre. Oh, c'est pas grave, au pire, je vais perdre. Mon dieu. Ah, ils font voile vers l'enfer. J'ai raté, putain, j'ai raté le créneau, ouais. Terrible. Ton point faible. C'est là qu'il faut tirer. Oh là 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 là. Bah j'ai tué tout le monde en fait. C'est ça. Aïe 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 aïe. Ah, les Templiers n'ont pas chômé, on dirait. Le sang de Lawrence Prince. Désormais inutile. Woods Rogers, Ben Ornigold, jusqu'à Torres lui-même. En petite quantité conservée. Pas besoin de Suil qu'on a. La meilleure défense, c'est l'attaque. Je dois savoir ce que c'est. Pourquoi faire, hein? Easy, c'est pas discret d'ailleurs. Je crois que je t'ai déjà demandé, mais espagnol, j'irais plutôt. Au vu du prénom, je dirais plutôt espagnol d'origine. C'est si dérisoire. Que la vie soit aussi joyeuse que courte, telle est ma devise. Voilà tout l'optimisme. On a donc des Suisses portugais et on va avoir un Suisse espagnol. Très bien, capitaine Kenway. Je t'accorde ton souhait. Alors, on ne prenait pas part au combat. Ah non, j'ai raté les deux. Ah non, ça n'a pas marché. Non, c'est de l'anglais, easy et salt. T'imagines ? Bonjour, monsieur salt, monsieur le sel. Beau nom de famille. Larguez la grand voile. Allez, dîner.